Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien toujours en ce mercredi 31 août 2022. Ouais, j'espère que je ne me trompe pas de date encore. Voilà, je vous ai partagé donc tout à l'heure une petite musique, une petite chansonnette sympa hein, pour apporter un petit peu de dynamisme, de joie, etc. Voilà, et je reviens vers vous pour faire encore un petit exercice, voilà, comme j'ai fait hier pour se détendre, se relaxer, vider son mental, voilà. Donc je vais vous partager encore une musique relaxante qui va vous détendre, j'espère. Et je vous demande aussi, si vous le souhaitez, de bien ancrer les images que vous allez voir. Voilà. Et c'est à vous un petit peu de penser ce que vous voyez à travers ces images, tout simplement. Voilà, c'est un petit exercice. J'ai envie de faire ça un petit peu de temps en temps le soir. Alors, bien sûr, on ne va pas s'endormir devant son ordinateur ou son téléphone portable. Son téléphone portable, si on s'endort à côté, les ondes sont néfastes, hein, puisque ça apporte des mauvaises ondes. Voilà, en principe, un portable. Un ordinateur s'éteint le soir où on met le portable loin de soi. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, ça j'en avais déjà parlé. Voilà, du coup je suis pas venue pour faire parler les oracles, mais ça va venir certainement demain. Voilà, donc ce soir troisième promenade de Nouki. Il faisait bon, il y avait de l'air, franchement c'était ça faisait du bien. Et donc voilà, j'ai envie de temps en temps vous faire montrer un petit peu des images, une musique pour se relaxer, faire le vide en soi et essayer de ancrer ces images en vous. Et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien et donc je reviendrai donc demain vers vous. Et ce soir, j'ai envie de vous lire une phrase. Donc ça va être la phrase du soir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir l'amour, de répandre la lumière et de savoir que l'univers veille sur vous, sur nous. Donc je vais baisser la lumière et je vais vous amener hein, à essayer de vous détendre, de vous relaxer et surtout, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours, peu importe l'heure. Pour les personnes qui travaillent, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais on peut toujours trouver un petit moment, ne serait-ce que 10 minutes, je vais voir 10 minutes, pour essayer de se détendre, de se relaxer, de vider son mental, tout simplement, faire le vide en soi. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Cette sensation de liberté, avec grâce.
Visualisez cette liberté que vous sentez en vous. Tiens, ce rocher a un visage. Si l'on observe bien, on voit deux yeux, un nez, comme une bouche, avec de l'eau qui en ressort. De la mousse sur ces rochers et de l'eau qui coule. L'eau sacrée. Comme quoi que la nature laisse des messages à travers des rochers, comme vous avez expliqué, en mousse, des feuilles, des bouts de bois, des troncs d'arbres et bien d'autres choses. Si l'on observe bien ce rocher en forme de visage, il a une expression pas très joyeuse, je suis désolée. C'est ce que je vois. Et vous, que voyez-vous? Oui, l'eau est sacrée. Imaginez-vous assis ou assise devant ce paysage. Un lac avec des arbres. Ces arbres qui apportent de l'oxygène dont nous en avons besoin, pardon. Ces arbres qui nous protègent du soleil aussi. Les arbres sont sacrés également. Contemplez bien ces arbres. Comme ça doit être agréable d'être assise ou assis en face de ce paysage, dans la sérénité, la tranquillité. Voici ce que Mère Nature nous a offert. On se détend, on fait le vide en soi. On met de côté tous les soucis, on met de côté tout ce que l'on entend qui est
anxiogène pour détruire votre mental. Alors on fait le vide. On met son mental de côté et on contemple. Et on s'apaise. Et on se détend. Assise ou assis sur le sol, sur l'herbe, on s'ancre. Et on contemple. Et on s'apaise davantage. Et on observe d'autres horizons. Qui est cette magnifique nature? C'est beau. C'est doux. Et on se détend, on se détend, on se détend. On ouvre son cœur à la nature. À tout ce qui vit dans cette nature. Et l'on change de paysage, comme une petite falaise. Avec la mer, un lever de soleil ou un coucher de soleil. Avec des ruines du passé. Et l'on contemple ce beau paysage également. La mer qui peut être tranquille, la mer qui peut être remuante. J'ai une outil qui veut venir sur moi, désolée. Ça, c'est une outil. Désolée, hop. Désolée, désolée, désolée. Nuki, qu'est-ce que tu as fait? Pas évident.
Désolée pour cet accident. Et l'on continue à se détendre, à se détendre. Que pouvait-il avoir sur ces ruines de pierre, près de l'eau, près de la mer? Avez-vous observé ces deux rochers ici, qui ont comme des visages aussi? Ici. Et nous sommes toujours en contact avec l'eau, la mer, les rochers, un ciel moins clément, et on continue à se détendre. Quelle est cette construction qui est au-dessus de ce rocher? Ici, on voit bien un visage. C'est un rocher. Un petit rocher. Observez bien. Ancrez bien ces images en vous. Il faut toujours observer. Le mental s'envole, on se sent bien,
On se sent même très très bien pendant un petit moment. Évadez-vous. Sortez de cette matrice anxiogène. Désolé. Entre nous qui et la batterie qui va on s'évade ailleurs. Vers le bien-être. Un bien-être qui nous envahit. Et nous nous rechargeons de bonnes énergies. Puisque tout était énergie. Les bonnes énergies sont présentes en vous. On contemple, on se laisse aller, on lâche prise sur tout ce qui nous entoure. Je vais bientôt vous laisser, les amis. J'espère que ce visionnage, cette musique, vous aura apaisé pendant un petit moment, que vous aurez fait le vide en vous. Essayez de prendre 10 minutes de votre temps dans la journée, le soir, tous les jours pour se détendre, pour se sentir bien, apaisé, détendu. Car nous avons besoin de nous apaiser, de nous détendre. Pour certaines personnes qui font des journées assez difficiles, car il y a des métiers difficiles. J'espère que vous vous êtes détendu et que cela vous a fait un grand bien. J'essaierai de faire ça de temps en temps le soir ou la journée avec d'autres images. On peut observer certaines choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai montré, ce que j'ai vu. Peut-être vous avez vu autre chose de ce que j'ai vu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable soirée, une douce nuit et je vous retrouve plus tard et je vous embrasse, je vous fais des bisous et surtout prenez bien soin de vous, de vos proches. Et on essaie de garder cette
détente, cette relaxation. J'espère qu'il vous a fait du bien, qu'il vous a bien apaisé. Parce que les énergies vont bouger, ils vont être très lourdes très bientôt. On le sent déjà. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.